savez tout de la PCR, nous allons rentrer dans un laboratoire d'oncologie moléculaire qui explore les anomalies du génome, donc de l'ADN des cellules tumorales. Alors, on va voir le circuit du prélèvement, acheminé à partir du laboratoire d'anatomopathologie, et à partir duquel nous allons faire la première étape indispensable, qui est l'extraction des acides nucléiques. Et puis, dans un second temps, on verra comment on analyse cet ADN pour obtenir un résultat. Une fois que le pathologiste a fait le diagnostic de cancer par l'examen microscopique de cette lame, souvent, ce diagnostic ne suffit pas. Il faut faire d'autres analyses, qu'on appelle des analyses moléculaires, en particulier sur l'ADN. Et pour ça, il va falloir confier du matériel tissulaire tumoral à un collègue biologiste moléculaire ou oncologue moléculaire. Alors, ce n'est pas la lame qu'on va donner. Qu'est-ce qu'on va donner? On va donner une partie de ce bloc, le bloc d'inclusion en paraffine, vous vous souvenez, où on a mis du tissu dans la paraffine. On va pratiquer un certain nombre de coupes, souvent une dizaine de coupes, et ensuite deux stratégies. Ces coupes, on peut les mettre d'une part dans un tube, et le donner aux collègues. Une deuxième stratégie, c'est de faire des coupes également et de les déposer sur une lame qu'on va appeler une lame blanche, et on va confier ces lames blanches également aux collègues biologistes moléculaires. Alors pourquoi ces deux stratégies? Eh bien parce que sur la tumeur qui est là, parfois cette tumeur elle est très cellulaire, c'est-à-dire il y a beaucoup de cellules tumorales. Donc on ne va pas trop se préoccuper de savoir s'il y a suffisamment de matériel. On va faire des coupes qu'on met en totalité dans le flacon. Par contre, si cette tumeur elle est peu cellulaire, ou s'il y a beaucoup de cellules normales qui se mêlent aux cellules tumorales, alors on va avoir intérêt à isoler certaines zones très cellulaires. Et pour ça, sur la lame blanche qu'on aura pratiquée, on va pouvoir gratter certaines zones qu'on pourra garder et en supprimer certaines autres. Et ce qui aura été gratté sera analysé. Le reste ne sera pas analysé. Alors, maintenant que j'ai reçu les coupes transmises par notre collègue, je vais pouvoir macro-disséquer l'échantillon qui n'est pas très riche au niveau cellules tumorales. Pour cela, je vais m'aider de la coloration HES qu'a fait le service d'anatomopathologie et qui m'a entouré la zone tumorale d'intérêt, puisque ici, ce qu'on veut faire, c'est essayer de récupérer un maximum de cellules tumorales en essayant d'éviter les cellules normales, puisqu'on va se retrouver avec de l'acide nucléique, donc de l'ADN mélangé des deux, et on risque d'être dilué pour le signal correspondant à l'ADN tumoral qui nous intéresse, et donc il faut essayer de s'en débarrasser un maximum. Donc par transparence, on va rechercher où se situe la zone tumorale sur cette lame blanche qui n'est pas colorée et pour laquelle on ne voit pas comme ça à l'œil nu où ça se passe. Et on va entourer la zone d'intérêt comme ça a été fait ici. Et ensuite, gratter la zone de tissu qui correspond juste à cette zone-là. Pour cela, il faut être très précautionneux parce que lorsqu'on va gratter, les petits copeaux qui vont se faire vont être volatiles et risquent finalement de contaminer l'environnement de travail. Et si on contamine l'échantillon suivant qu'on va traiter ensuite par quelques petits morceaux issus de ce prélèvement-ci, on risque d'avoir une analyse qui est faussement positive par contamination, puisqu'on va utiliser la technique de PCR. Et on vous a dit que c'était une méthode qui permet d'amplifier un grand nombre de fois un gène d'intérêt. Donc si on a juste quelques petits copeaux qui contaminent un échantillon suivant, eh bien, on va aussi amplifier cet ADN-là et on risque d'avoir des analyses faussées. Donc pour ça, on va gratter précautionneusement et puis récupérer le tissu dans un Eppendorf pour ensuite procéder à l'extraction des acides nucléiques qui sont compris dans les cellules qu'on vient de mettre dans le tube. Donc maintenant que nous avons récupéré les copeaux de tissu, soit après grattage, soit directement, nous allons mettre une solution dans ces tubes, puis mettre les tubes à 56 degrés, donc toute la nuit à chaud, puisque finalement ces échantillons sont protégés, conservés dans une cire, qui est la paraffine, qu'il va falloir digérer et également commencer à digérer les parois cellulaires. Et donc pour ça, il faut effectivement toute une nuit de traitement. Et demain matin, le technicien va récupérer ces tubes et procéder à l'extraction, à l'isolement de cet acide nucléique précisément. Alors cette extraction, eh bien, on peut la réaliser de différentes manières, soit de façon manuelle ou automatique. Mais le principe est toujours le même. On retient les molécules d'ADN sur une surface et puis on lave pour retirer toutes les molécules contaminantes, que ce soit les protéines qui accompagnent l'ADN ou les sels des différentes solutions d'extraction, jusqu'à ce qu'on obtienne de l'ADN purifié, propre,
qu'on décroche ensuite de ce support pour le récupérer dans un tube sous forme d'une solution aqueuse d'ADN. C'est sur ce matériel transparent que nous allons travailler avec des volumes infimes de quelques microlitres et des quantités d'ADN très petites également de quelques nanogrammes pour faire toutes les analyses qu'on nous demande.